Dernière étape, brancher le système d'allumage robotique. Merci d'avoir fait appel à la technologie d'Assistoline. Bienvenue à l'Assistoline Gadgetron. Nous sommes à ta disposition pour tout conseil lors de tes voyages interplanétaires. L'Assistoline est un service gratuit de la corporation. Est doté d'une nouvelle fonction Cometto Frappe. Pour l'activer, accroupis-toi en utilisant la touche R1, puis appuie sur la touche R1. En cas de blessure, ce système breveté par Gadgetron reconstituera entièrement ton corps. Thank you.
Pour utiliser ton gant à bombe, appuie une fois sur la touche cercle afin de t'en équiper. Puis de nouveau pour larguer une bombe. Pour l'utiliser en mode première personne, maintiens la touche L1 enfoncée. Pour réaliser une hyper frappe puissante de la super plénique de Pékin, appuie sur la touche carré en sautant. Intéressant. Ah, qu'est-ce que c'est ? Vous êtes doué en mécanique ? Tu l'as dit. J'ai monté ce vaisseau tout seul, tu sais. Je recherche une personne qui pourrait m'aider à sauver le système solaire. Pourriez-vous m'indiquer où trouver cette personne ? C'est-à-dire que j'en connais un, mais je crois qu'il bosse à la radio. Mais sinon, non. Et c'est quoi le problème avec le système solaire, au fait ? Très chers habitants de... Nous, les Blargues, avons un léger problème. Notre planète est devenue totalement inhabitable. Elle est polluée, surpeuplée et intoxiquée. Mais moi, Président Drake, j'ai la solution. Grâce aux meilleurs composants planétaires disponibles, nous travaillons actuellement à un monde parfait. Vous vous demandez certainement quoi cela vous concerne. Grâce à une technologie ultra sophistiquée que vous ne comprendriez sûrement pas, nous allons extraire tout ce que nous pouvons de votre planète pour l'intégrer à la nôtre. Hélas, ce changement massif va entraîner un petit dérèglement de votre planète. Elle dérivera jusqu'au Soleil, où elle explosera et se transformera en une boule de gaz incandescente. Mais certains sacrifices sont nécessaires. Merci de votre coopération. Et si vous n'êtes pas content, bande de sales morveux, géniards et pleurnicheurs, vous n'avez qu'à prendre vos jérémiades et vous les foutre au... Tu filmes encore ? Eh ben arrête, crétin ! Où sont passés les habitants de ces planètes ? En tout cas, mon petit bonhomme, j'espère pour toi que Quark va t'aider. À vrai dire, vous pourriez m'aider. Si vous pouviez me conduire à l'endroit indiqué par l'inforobot, je pourrais certainement en apprendre plus. Ah, ben ça, je pourrais pas, même si je voulais. Tu sais quoi ? Il me manque un composant essentiel du vaisseau. Le système d'allumage robotique. Ben, comment tu sais ça, toi ? Il se trouve, monsieur, que je suis équipé du tout dernier système d'allumage robotique. Ma programmation me permet de démarrer tous les vaisseaux. Ah, donc si je t'emmène jusqu'au... là où tu veux aller, tu fais démarrer mon vaisseau, c'est ça ? J'allais vous le proposer. Ça roule. Ça pourrait nous gêner. Occupe-t'en. Waouh, c'est génial! Alors c'est là que j'ai été bloqué pendant tout ce temps? S'il vous plaît, veuillez reprendre les commandes, monsieur. Hein? Ah, ouais, pardon. Tant qu'on y est, tu peux arrêter avec tes monsieur? Moi, c'est Ratchet. Ravi de faire votre connaissance, monsieur. Et toi, c'est quoi ton nom? Mon numéro de série est B542... Oh. Bon, je t'appellerai juste Clank, hein, c'est plus court. Allez, c'est parti! C'est pourquoi il serait plus commode que vos citoyens aient quitté la ville lorsque mes ouvriers commenceront à s'en saisir. Foutaise, je ne tolérerai jamais ça, jamais! Eh bien, en fait, on ne vous demande pas votre avis. Je crois que le capitaine Quark ne sera pas content d'apprendre ça, mon petit bonhomme. Qu'est-ce que cela a de drôle? Le capitaine Quark pourrait se débarrasser de vous en un tour de main, espèce de... Vous avez maintenant, officiellement, dépassé les bornes de ma patience!
Pour la dernière fois, coupez court à cette folie, tout de suite! Bon, d'accord. J'ai eu tort. Je vais retirer mes troupes. Vraiment? Non! Il est à vous, messieurs. Et surtout, ne laissez pas de traces. Clank, où est-ce que tu te caches? Par ici. Oh, vraiment désolé. Bon, ben on ne repart pas par où on est venu. Peut-être qu'un des habitants pourrait nous prêter son vaisseau. À condition qu'il en reste. J'ai de super affaires pour vous aujourd'hui.
Hey, mate le postérieur. Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Hein, j'ai dit oh là là là, quelle chaleur. Ok, petit malin. Tu devrais pas être dans un vaisseau d'évacuation? Un vaisseau d'évacuation? Flash spécial des robots géants à tech. Vous savez bien que les vaisseaux évacuent tous les gens riches de cette satanée planète. Et vous alors, vous partez pas? Inégalité socio-économique. Kizako? Il n'a pas assez de boulons. Les ouvriers doivent attendre d'être sauvés par le capitaine Quark. Mais vous, vous avez rien qui vaille beaucoup de boulons? J'ai ce truc, ça montre deux drôles de gus qui fuient leur vaisseau. Ça donne aussi les coordonnées d'une planète déserte. Un inforobot. Ratchet, ça pourrait servir. Dis donc, il est vraiment parti par les égouts? Mayday, mayday, sur le vaisseau solaire radical! Il semble qu'on nous attaque de la surface de la planète! Relax, petit! On dirait une sorte de feu d'artifice! C'est sûrement ton honneur! Ah! Oh, c'était moi une, là! Hé! Hey! Ferme-la! Tu me déconcentres! On a été touché! Bah, on dévie, c'est tout! Je t'organiserai une petite démonstration quand on a tiré. On sera mort bien avant, hein! Petit, on dégage! Injection! Injection! Hé, hey, est-ce que t'as vu le type à gauche? C'était Skid McMarx! Il connaît le capitaine Quark? Ça m'étonnerait. C'est un pro d'overboard. Toujours à la ramener, à se la jouer, trop cool. On dirait qu'il a des ennuis. Tu m'étonnes, je l'ai jamais vu flipper comme ça. Les inforobots Gadgetron t'indiquent les coordonnées de nouvelles planètes. Maintenant que tu disposes de l'inforobot de la planète Aridia, trouve un vaisseau pour t'y rendre. Pour accéder au mode observation, maintiens la touche L1 enfoncée. Salut, Mekai! Oh!
Ne me faites pas mal, je vous en prie. Qui êtes-vous? Des mercenaires? Des tueurs? Des assassins? Je vous dirai tout. Tenez, prenez mon inforobot, c'est tout ce qui me reste. Mais nous ne sommes pas... Attends, on va voir ce qu'il a. Ça t'est déjà arrivé? Bonjour, je suis le Capitaine Quark, et croyez-moi, il n'y a rien de pire que d'observer un monstre blargue de l'intérieur et de savoir que votre matériel ne fonctionne pas correctement. C'est pour cela que je vais à Roborama, la super boutique de Metropolis, pour régler tous mes problèmes électroniques. Hal, depuis toujours, est le seul et l'unique réparateur pour mes super électro-gadgets. Hal trouve toujours une solution, pas vrai? Tu l'as dit, mon pote. Alors que vous luttiez contre le mal ou le sale, une seule adresse pour vos réparations robotiques, Roborama à Metropolis. Roborama, c'est Quarktastique! Tu sais ce que ça veut dire? Ouais, que le Capitaine Quark n'est qu'un vendu. Non, ça veut dire qu'il est sur Metropolis. On devrait le prévenir de l'invasion. Si nous avions un vaisseau... Hein? Un vaisseau? Vous n'allez pas me torturer? Eh bien, en tant que président planétaire, je pourrais vous confier notre vaisseau messager. Cool! Vous pouvez compter sur nous, monsieur. Ouais, merci, monsieur le présidentissime. Maintenant que tu disposes des coordonnées de deux nouvelles planètes, tu peux utiliser ton vaisseau. Appuie sur la touche Select pour afficher la carte. Ton vaisseau est repéré par une étoile. C'est lui, Skid McMarks! L'homme de l'inforobot. En chair en os et en dreadlocks, petit gars. Eh, vous m'avez vu dans cette incroyable bataille spatiale? Eh, on vous a surtout entendu hurler à l'aide. C'est-à-dire, c'était genre un cri de guerre. Hein. Mon agent et moi, on est tombés dans une embuscade en allant à l'entraînement d'Overboard. A-t-il survécu au crash, monsieur? Il va bien, mais moi, j'ai un petit peu de mal à revenir à mon vaisseau spatial. À cause d'une entorse à la cheville. Ah, c'est pas de bol, ça. La poisse, ouais, mais si vous me débarrassez des requins des sables, je pourrais peut-être vous donner un de mes Overboard. Ce serait avec plaisir, monsieur McMarks, mais nous devons trouver le capitaine... Une de vos planches. J'ai toujours rêvé d'un Overboard correct, moi. Ça marche. Reposez bien votre cheville, mon gars.
Tiens, hé, petit, attrape ça! Oh, un Z3000 tout neuf! Ce modèle est même pas sorti! Bon, allez, faut que je m'arrasse. On se verra en course d'overboard, les gars! Tu viens d'acquérir un overboard Z3000 Gadgetron. Utilise ton nouvel overboard sur le circuit de Blackwater City, sur la planète Ilgar. J'ai de super affaires pour vous aujourd'hui. Yeah.
Swinger Gadgetron pour traverser cette zone. Hélas, nos archives n'en mentionnent aucun sur cette planète. Message, ce temps perdu me rend malade. Oh, vous faut-il un médecin, monsieur? Ah, ce n'est qu'une expression, mon petit. Le problème, c'est que je suis coincé ici et que mon client vedette est introuvable. Hé, on vous a vu sur l'inforobot. Vous êtes l'agent de Skid. Je l'étais, plutôt. Il a disparu au moment du crash de notre vaisseau. Et un agent sans sa star, eh ben, c'est un peu comme une puce sans son chien. Mais dis-moi, tu m'as l'air sportif, petit. Si tu décroches le prix du championnat d'overboard de Blackwater City, je ferai de toi ma prochaine star. Désolé, nous n'avons pas de temps à perdre, monsieur. Je pourrais bien devenir le prochain Skid McMarx. Salut, Mekai! M'aidez! M'aidez! Sur le vaisseau sur... Thank you.
J'ai de super affaires pour vous aujourd'hui. Pour centrer rapidement la caméra, clique sur la touche L1. Bienvenue au cours de fitness du Capitaine Quark. Si vous êtes assez fort, assez rapide et assez intelligent pour relever le défi, vous recevrez une récompense de la part de mon chef entraîneur. Dirigez-vous simplement vers la troisième île pour effectuer la course. Bonne chance! Le groupe Quark décline toute responsabilité en cas d'entorse, de fracture, de déchirure, de contusion ou de mort accidentelle au cours de ce défi. Excusez-moi, Capitaine, mais nous avons des problèmes plus pressants. On a besoin d'aide de toute urgence. Clank? Oui? Tu ne remarques rien de bizarre chez le Capitaine Quark? Oh, eh bien, je trouve bizarre la présence de ce gros ressort à la place de ses jambes. Et qu'est-ce que c'est, d'après toi? Peut-être une blessure datant de son combat contre le mal. Mais tu vois pas que c'est pas le vrai Capitaine Quark, imbécile? C'est un robot! Oh! Font aussi office de plateforme de saut. Saute et une fois en l'air, saute de nouveau en prenant appui sur les murs jusqu'à atteindre le sommet. Que j'ai jamais vu sur ce parcours d'obstacles. Comment ça? Nous avons fini le circuit, madame. Oh oui, mais c'était nul. Nul, nul! Quand je courais encore, je dévorais des parcours comme celui-là au petit déjeuner. Et pas que ça, je parie. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous entraînerais dur, 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 et ça toute la journée. Mais allez savoir pourquoi vous avez impressionné cet idiot de Capitaine Quark. Le Capitaine Quark nous a vus? Oh, que oui! Et le pire, c'est qu'il veut que je vous donne une récompense pour votre performance ridicule!
cool. C'est quoi? Je suis censé vous donner un swinger pour que vous puissiez vous balancer comme des petits insectes. Super, on peut voir? Passez vite! Aujourd'hui, vous avez osé déshonorer mon parcours. Alors, je vais vous le faire payer. Mais c'est une récompense du capitaine. C'est injuste. Tant pis, la vie est injuste. Ah, génial! Je suis sûr que le capitaine Quark utilise des trucs comme ça tout le temps. Ha! Un homme, un vrai, peut se balancer sans ce genre de jouet idiot. Vous me dégoûtez tous les deux! Félicitations pour ton nouveau Swinger Gadgetron. Utilise-le sur les versa-cibles standards comme celle-ci. Nous l'avons vu dans l'inforobot, tu te souviens? Il connaît le capitaine Quark. Hé, hey, vous êtes le type des robots, non? Non, moi je construis des robots. En fait, je ne leur appartiens pas, c'est plutôt l'inverse. Quel blaireau. Il me plaît. Bon, maintenant qu'on a éclairci ça, que puis-je faire pour vous? Eh bien, nous avons vu votre pub sur l'inforobot avec le capitaine Quark. On a pensé que vous pourriez nous aider. Nous essayons de le trouver. Votre logique est implacable, mais je n'ai pas vu le capitaine Quark depuis que nous avons tourné cette pub. Dites, vous tournez avec des cartes sur XP18 standard? Version 7.66. Dans le mille. Alors je vais peut-être pouvoir vous aider. Ça vous dit un upgrade, Helipack? Un upgrade? Bien sûr, puisque c'est un 7.66, je pourrais le faire voler en un rien de temps.
Évidemment, ça vous coûtera quelques boulons pour le service. Ok, c'est un dollar. Non. La tête, j'ai l'air cool, non? Ouais, t'assures, Clank. À votre service. Escalader ses boîtes. Appuie sur la touche R1 pour t'accroupir, puis saute. Pour franchir ce gouffre, utilise la nouvelle fonction extenso de ton hélipack. Prends de l'élan, appuie sur la touche R1 pour t'accroupir et saute. Utilise la fonction super glissade de ton nouvel hélipack. Saute et une fois en l'air, maintiens la touche 3 enfoncée pour te laisser glisser.
Mes respects, Présidence Suprême Drake. Bon, épargnez-moi vos civilités, lieutenant. D'après mes sources, vous êtes en retard sur les prévisions. Vous devez préparer cette planète pour notre nouveau monde. Oui, monsieur. Comme vous le voyez, cela suit son cours, normalement. Je compte sur vous, lieutenant. Et comme votre ancien commandant vous le confirmera, je supporte assez mal l'échec. Bien, monsieur. Je n'échouerai pas. Drake a détruit une autre planète. Ouais, bah, si c'est ça le genre d'aide qu'il a, moi, je crois qu'on n'a rien à craindre de lui. Ne sous-estime pas le président Drake. Il est très dangereux. Il faut trouver le capitaine Quark. Écoute, ce lieutenant n'a pas l'air si fort que ça. On n'a qu'à s'en occuper nous-mêmes. On arrivera peut-être à convaincre le lieutenant de nous dire où se trouve Drake. Ah ouais, ça j'achète.